Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Maman Boulette. On va préparer du poulet au curry jaune. Là, j'ai pris une belle escalope de 200 g de poulet fermier, une cuillère de pâte de curry jaune, 2 gousses d'ail, 3 échalotes, un petit peu de sucre, du basilic thaï, des pousses de bambou, des petits dés de poivron rouge et de poivron vert, du lait de coco, j'ai mis à peu près 200 ml, d'un petit peu d'huile ainsi que d'un petit peu de Nyokman. On allume notre wok, un petit peu d'huile de tournesol. L'huile est chaude, il est temps de mettre les échalotes qu'on a préalablement mixées ainsi que l'ail. On va le faire rissoler et au bout de 2 minutes, on rajoute une cuillère à café de sucre. Et il va être le moment de rajouter notre lait de coco. Allez, toujours à feu fort, on remélange. On le met à feu moyen, on va rajouter notre cuillère à café de pâte de curry et on va remélanger à feu moyen. Allez, ça fait 5 minutes, il est temps maintenant de rajouter nos dés de poulet. Et on va laisser cuire tout ça gentiment. Et si la sauce est trop épaisse, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. On rajoute 2-3 feuilles de basilic, ensuite on rajoute les poivrons. Ainsi que les pousses de bambou. Ça fait une dizaine de minutes que ça mijote à feu moyen. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de Nyokman. On va remélanger et on va rajouter le basilic thaï. On rajoute une petite cuillère à café de sucre. On met quelques morceaux de basilic sur le dessus. Et il n'y a plus qu'à manger. On va se régaler. Allez, bon appétit.